Aujourd'hui, je ne suis pas en télétravail, je vais donc sur mon lieu de travail. Je vais pas faire une journée dans la vie d'un marketeur parce que bon, c'est pas hyper intéressant. Et puis en plus, je ne pense pas que j'ai le droit légalement de filmer là-bas. J'en sais rien. C'est une grosse boîte, donc j'imagine qu'on n'a pas le droit. Non pas que je travaille dans le nucléaire ou dans des trucs très confidentiels, mais je vais peut-être pas sortir ma caméra devant mes collègues et mes boss. Je pense que ça pourrait être un peu étrange. En plus de ça, et vraiment ça vous intéresse, mais mon bureau est en travaux. Donc je n'ai pas de bureau, donc ça va être un peu l'anarchie là-bas. Mais bref, c'est le mois de juillet, c'est un peu le bazar, on va dire. Écoutez, ça change un peu et ça fait quand même partie de mes semaines, hein, parce que je le rappelle, hein, je travaille, je suis salarié, donc je ne suis pas toujours chez moi, ce que je vous ai pas montré dans le dernier vlog. Je suis toujours en train de lire Fucked Up. Ça change complètement avec les deux livres que j'ai lus la semaine dernière. Donc voilà, je prends ça dans le métro et je vais lire. Dans le métro, et dès que j'aurai fini, je pense que, je sais pas, il me reste 300, 200, 300 pages, je pense que j'aurai fini demain, après-demain, et je vous en parlerai. Aujourd'hui, c'est journée de travail. Je passe pas mon temps à travailler chez moi. Je vais aussi au bureau, mais vous vous doutez bien que je ne vais pas vous filmer en plein open space. Donc, je préfère tourner ces vidéos ici. Vous avez mon super bureau qui est derrière moi, où je travaille sur des plans marketing de cosmétiques top secret. Mais ce midi, je vais essayer de vous montrer mon travail d'à côté. Enfin, c'est pas un travail, mais toujours dans l'idée de sortir mon livre. Je suis en train de travailler sur des vidéos un peu spécial, en tout cas un peu plus travaillé que des simples vlogs. Et je travaille pour ça avec Florine, une de mes meilleures amies, que vous connaissez sans doute parce qu'on a fait des vidéos il y a très longtemps, il y a genre 10 ans sur cette chaîne YouTube. Et on a décidé de travailler sur ces vidéos ensemble. Je m'entoure avec tous mes meilleurs amis. Donc c'est hyper agréable. Graphiste, vidéaste, DA. Il y a plein de gens qui veulent m'aider et ça fait tellement plaisir. Je vais vous montrer ça, comment je fais un moodboard, ça va être hyper rapide. En plus, je peux pas trop montrer les détails parce que je veux pas vous spoiler l'histoire ni rien du tout. Mais je vais vous montrer comment je fais un petit scénario, enfin un petit script, même si c'est beaucoup dire, mais là je pense que je vais juste partir sur l'environnement, l'endroit, le stylisme que j'ai en tête. Ensuite, on va en discuter avec Florine par Zoom, je pense. Et on va voir si on est d'accord, si elle a des idées. Voilà. Florine, c'est une des personnes qui a le meilleur goût du monde, donc je suis complètement preneur de ses idées. Et justement, elle est là aussi pour travailler la DA. Il va falloir que j'ai le temps de manger, mais je vais aussi passer à la librairie à côté de chez moi parce que j'ai envie de m'acheter des bouquins. Voilà. Que vous sachiez, je travaille soit très tôt le matin, soit ma pause déj, soit le soir. Le soir, c'est galère pour filmer parce que j'ai pas envie de sortir des éclairages, etc. Donc il n'y a plus de lumière et enfin, voilà, je ne filme pas. Et à 6h du matin, j'ai moyennement aussi envie de filmer. Donc j'essaye de filmer pendant ma pause déj. Et donc j'ai plein de trucs à faire entre midi et 13h30 quoi. Je retourne travailler et on se parle plus tard. Alors je commence par quoi? J'ai vu deux films très différents et les deux
Je les ai adorés, donc je vous en parle rapidement. Je vous parle du plus surprenant parce que je vais rarement voir des dessins animés, non pas que je ne doute pas qu'il y en a des très bien, mais je vais rarement voir ça. Je suis allé voir Vice Versa 2. Faut savoir que moi j'ai pas du tout été éduqué au Disney, je connais pas très bien, j'ai vu des Pixar, il y en a que je trouve cool, mais je veux dire, j'ai pas cette passion pour Disney qui a l'air assez répandue. Et en fait, je suis allé voir Vice Versa parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. J'avais vu le 1 il y a très longtemps, je crois, et je l'avais trouvé très intelligent et. J'ai adoré le 2. Genre vraiment, j'ai passé un super moment. Je pense que vous savez tous de quoi ça parle, hein. C'est des allégories d'émotions, les émotions qu'on a tous dans notre cerveau qui sont représentées par des petits personnages en fait. Et c'est mais hyper drôle, c'est intelligent, c'est drôle, c'est bien fait, c'est beau. Enfin vraiment, j'étais hyper surpris. Je croyais que c'était un film qui était complètement adapté aux adultes, sincèrement. Il y a une morale, en tout cas une explication de l'émotion humaine qui est très intéressante et très bien faite et très nuancée. J'étais surtout surpris par la nuance, parce que dans les films dits pour enfants, j'ai toujours l'impression que c'est normal, hein, quand on a 8 ans, que les choses sont un peu noir et blanc, et là c'était assez gris, c'était très très intéressant, donc je vous conseille vraiment, on dirait un peu un cours de philo pour les enfants, quoi. Peut-être que je devrais aller voir plus de Pixar. Conseillez-moi des Pixar qui sont un peu adaptés pour pour quand on n'a pas 8 ans. Je vous jure, je suis devant ma fenêtre, il pleut, et 2 secondes après, il y a un énorme soleil. Je suis perdu. Le deuxième film que j'ai vu, qui à mon avis est plus confidentiel, enfin c'est pas à mon avis, il est plus confidentiel, parce que même à Paris, il passait genre dans 2 salles de cinéma, c'était A Summer with Carmen. Typiquement le genre de film que j'adore. Si vous avez l'occasion de le trouver sur une plateforme ou s'il y a un cinéma qui le passe encore, parce qu'il me semble voilà, que c'est un peu confidentiel et que c'est sorti en plus pas la semaine dernière, quoi. C'est le genre de film qui n'est pas très descriptible. Ça se passe en Grèce, à Athènes et sur une île dont j'ai oublié le nom qui est près d'Athènes. Donc déjà le décor est fabuleux, c'est extrêmement beau. Et c'est l'histoire de deux amis homosexuels, parce que ça a une importance dans l'histoire, qui discutent d'un film qu'ils vont potentiellement réaliser. Donc c'est une discussion qui mêle leur propre vie et cette envie voilà, de créer un film. C'est une discussion d'1 heure et demie entre deux personnages avec des allers-retours sur cette île et dans la ville, où on passe en revue un peu leur vie, leur parcours amoureux, etc. Ça peut paraître chiant comme ça, mais ce n'est pas du tout chiant. C'est très très drôle, c'est très très beau, c'est assez rapide, c'est très dynamique et c'est en même temps extrêmement poétique. C'est pas très profond, mais c'est intelligent et je vous dis, c'est hyper drôle et très beau. Je vous mets toujours les bandes annonces en barre d'infos si vous voulez avoir une description du film un peu plus détaillée que celle que je suis en train de vous faire. Ça se passe sur une île naturiste homosexuelle, donc on voit quelques paires de fesses, je vous préviens, mais c'est pas du tout, on voit rien d'autre, enfin voilà, c'est pas du tout sexué, enfin voilà, mais je vous préviens pour les âmes sensibles. Parle aussi des lieux de rencontres homosexuelles et c'est fait d'une façon qui est intelligente et que, enfin voilà, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ce film. Et c'est donc un réalisateur grec que je connaissais pas, mais je sais pas s'il a fait d'autres films, mais je vais regarder ce qu'il a pu faire parce que vraiment j'ai beaucoup aimé, je pense qu'on a compris. On peut pas dire que je ne suis pas éclectique dans les films que je vais voir au cinéma. Entre Vice Versa et ce film-là, il y a un monde quand même. Qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Je vais travailler au café. Personne n'aurait deviné. Ça résonne un peu là, non? En plus, je vis dans un des quartiers les plus bruyants de Paris, j'ai l'impression. Donc j'espère que vous m'entendez. Bon bref, je vais arrêter de parler dans la rue, sinon je vais me prendre un bus en plus. Et on se retrouve tout à l'heure. Je suis là depuis 2 heures, c'est la pause déjeuner, donc je vais manger ici, vous êtes ravis de le savoir. Je suis en train d'écrire le second roman, donc pendant les 1 heure et demie que j'ai de pause déj pour continuer d'écrire, c'est très long, c'est très compliqué. Ça me rappelle comment j'ai galéré pour écrire le premier. Je trouve que le début du processus d'écriture est toujours et très enthousiasmant et très très dur, quoi, très très déprimant parce qu'on a l'impression de pas avancer, les idées sont pas encore super claires et tout, donc j'arrête pas de faire des plans, des machins, enfin bref. Je compte bien vous parler du processus de création du premier roman, mais je le ferai peut-être en septembre ou quand le roman sera sorti, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Que de vous en parler comme ça. Cet angle est très bizarre, mais il y a vraiment plein de gens autour de moi et ils me prennent pour un reporter de guerre, encore une fois, avec mon petit micro là. Sinon, toujours en parlant de roman, je suis toujours un peu. Je commence vraiment à être flippé pour la sortie du premier roman dont je vous ai parlé, parce que je m'occupe de tout. Hein, il y a plein de gens pour m'aider, une plateforme qui est top dont je vous parlerai bientôt, mais. C'est stressant parce que j'aimerais vraiment que ça sorte courant octobre. Et le texte est tout écrit, mais il manque plein de choses, genre la couverture, la com. Les visuels, la mise en page, enfin, je vous jure que ça paraît très bête comme ça de sortir un roman, ça a l'air très facile. Je trouve ça très fastidieux, surtout que j'avais vraiment envie de tout faire tout seul, ou en tout cas avec mes amis et moi. Donc, je me prends un peu pour une maison d'édition.
c'est passionnant, hein, mais ça fait, là je commence à flipper. Surtout que c'est les vacances d'été, donc les gens sont pas vraiment dispo et tout. Je vous assure que c'est compliqué et ça me fatigue psychologiquement, même si c'est sans doute un des projets qui me tient le plus à cœur et qui me passionne. Mais là, voilà, mon état d'esprit, c'est d'avoir peur. Après, je suis hyper content parce que tous mes amis sont avec moi, tous les gens proches sont avec moi. Déjà, avant, ils ont relu le livre plein de fois, ils m'ont fait des retours. Donc, ils m'ont beaucoup aidé. Et là, pour la mise en page, la couverture et tout, les vidéos que j'ai envie de faire, etc. J'ai aussi des amis très très proches qui m'aident. Donc j'ai beaucoup de chance, mais ça reste stressant pour autant. Voilà, bon. Je vais me remettre à écrire, en plus je suis un peu au soleil, rempli d'SPF, mais au soleil, donc ça fait du bien. Et oh là là, quel bonheur. J'ai vraiment hâte de vous montrer les coulisses de tout ça, parce que je trouve le processus vraiment passionnant et j'espère que ça vous intéressera. Et j'en profite parce que le truc qui m'a le plus touché, c'est de lire vos commentaires. Et il y a beaucoup de gens qui étaient impatients de lire le bouquin, donc de l'acheter. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important pour moi et à quel point ça m'a fait plaisir. Donc je ne sais pas si vous le ferez vraiment, vous le ferez vraiment, c'est français. Mais en tout cas, rien que vous ayez envie de lire ce que j'ai créé, vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche. Est-ce que je dois dire bonjour à chaque fois que je fais une séquence? Parce que ça va faire beaucoup de hello dans cette vidéo, je pense. Je suis encore en télétravail chez moi. Je suis traumatisé parce que j'ai dû installer ça, cet écran géant, sur mon bureau. Bureau que j'essaye de rendre joli. Et là, c'est complètement affreux. Vous voyez pas, mais vraiment, c'est con. Hein, mais j'essaye d'avoir un espace de travail plutôt joli, surtout quand je fais de la créa, parce que ça m'inspire un peu. Hein, parce que non, à mon plus grand désespoir, je ne peux pas non plus aller au café toute la journée, tous les jours. Voilà, c'était mon traumatisme de la journée, parce que bah, c'est moche, quoi. Je vous l'accorde, c'est pas du tout un problème. Heureusement, je n'ai pas des problèmes tous les jours. D'ailleurs, j'ai assez peu de problèmes en ce moment, donc c'est assez chouette. Je pense pas que vous pouvez le voir, mais je suis en train de finaliser le moodboard pour les vidéos que je vais tourner pour la sortie du livre, donc des vidéos qui vont sortir, je pense, vers octobre. C'est pas tellement qu'il y en a besoin, c'est juste que j'ai envie de tourner des choses, j'ai envie de réfléchir à des moodboards, enfin voilà, j'ai envie de faire des vidéos aussi un peu plus travaillées, juste pour le plaisir. Je crois que je vous l'ai dit dans une autre séquence, mais je vais travailler sur ce projet avec Florine, que vous connaissez peut-être pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Donc c'est simplement pour retrouver ce plaisir-là. Parce que faire des vidéos un peu esthétique ou montée, enfin ce qu'on a en tête en tout cas, c'est du budget, hein, c'est du temps. Enfin du budget, je filme pas non plus un Spielberg, hein, mais je veux dire, il faut louer un lieu, il faut acheter du stylisme, il faut passer du temps à faire des moodboards, il faut acheter ou louer des lumières, enfin voilà, on fait pas ça avec son iPhone comme je peux faire là. Donc j'adore faire les deux, j'adore faire des choses très naturelles comme ça, mais j'ai envie de me replonger dans des vidéos un peu plus créatives. J'ai fait ça et j'ai cru que mon bureau allait s'écrouler, parce que c'est une planche en bois, hein, quand même, de chez Leroy Merlin. Je suis à moitié nu, il va falloir que je règle ça avant d'aller chercher à manger. J'en profite aussi pour vous dire que je mets des chapitres dans les vidéos, donc vous voyez sur la timeline qui est en bas, vous pouvez switcher de sujet si jamais il y a un sujet qui vous intéresse pas pour ne pas regarder les 30 minutes de vlog, si jamais il y a un sujet dont vous vous foutez. J'ai quasiment fini la lecture de Fucked Up, le livre que je sais plus dans quel... C'est un enfer les vlogs en fait, parce que moi je ne filme pas, enfin je filme plein de séquences de ma semaine, une par une, et après je sais plus ce que j'ai dit, je sais pas comment je vais la monter, etc. Donc je ne sais pas ce que je vous ai dit, mais je crois que je vous ai montré le livre Fucked Up, soit dans le dernier vlog, soit au début de ce vlog-là. Je vous en parlerai sûrement à la fin du vlog, et je vous montrerai ma prochaine lecture. Vous allez encore rien voir, mais dans ma bibliothèque, en fait, tous les livres sont là. Enfin, les livres que j'ai pas lus, entre guillemets, ceux que je compte lire dans le mois. Et en haut, c'est les livres que j'ai déjà lus. En gros. Bref, sachant que j'ai des livres aussi sur ma table de chevet, dans le salon, enfin bref, mais j'essaye de m'organiser un tout petit peu comme ça. Et j'ai aussi une pile de livres lus dont j'ai envie de vous parler. Bref, voilà l'organisation. Je suis très occupé en ce moment, depuis que j'ai décidé de retourner sur YouTube, de peindre, de faire de l'aquarelle, d'écrire le deuxième roman, de préparer la sortie du premier roman, plus le travail, plus le sport. D'habitude, je ne suis pas du tout quelqu'un d'aussi occupé. C'était aussi une de mes résolutions, de m'occuper plus. Parce que je suis capable, sachez-le, même si c'est un peu honteux, de faire des siestes, moi, dans les journées. Au plus grand désespoir de mon copain, mais je suis capable de rentrer à 17h un samedi et de faire une sieste. De 17 à 19, vous voyez. D'habitude, je ne suis pas un working boy effréné. Bon, bref, je vais me remettre à travailler et je vous retrouve un peu plus tard. En fait, de mélanger en bataille peut-être des plans... De ton environnement où tu crées ça. Après, ça, c'est peut-être que ça part trop loin, mais ton idée de cellophane, moi, ça me déplaît pas. Ou tu sais, genre à un moment, je sais pas,
T'as un beau recroquevillé sur toi. Et je pense que ça peut être très esthétique ce truc. Chose promise, chose due, je vais vous faire un petit retour de fucked up que j'ai terminé. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce genre de sentiment à la fin d'une lecture. J'ai trouvé ça bien, mais sans plus. Sincèrement, j'ai passé un super bon moment. C'est pas spécialement joyeux, mais c'est pas non plus. C'est presque drôle, mais c'est un peu dark comme histoire. C'est donc un poète un peu maudit qui se promène dans les rues de New York et qui a plein d'emmerdes, qui n'a pas d'argent, qui va travailler dans un cinéma X, qui va rencontrer plusieurs femmes, avec qui va y avoir des histoires, etc. Ça dépeint un New York assez sombre. Je trouve que la ville fait vraiment partie du roman parce qu'elle est beaucoup décrite, notamment le métro. Enfin, il y a plein de choses qui sont très jolies et très agréables à lire. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça retranscrit une ambiance des années 80 américaine qu'évidemment je n'ai pas connue, n'étant ni né dans les années 80 ni américain. C'est assez prenant. On a envie de savoir ce qui arrive à ce. Comment il s'appelle déjà? On rencontre plein de personnages qui sont assez atypiques, qui sont un peu représentatifs de ce qu'on imagine de cette époque-là américaine. C'est sympa, j'ai passé un bon moment, ça se lit hyper vite. Après, je suis pas sûr que je me souviendrai de ce roman. Voilà. Je sais pas si vous êtes lecteur, mais je trouve que le moment où on doit choisir le livre d'après, c'est un des meilleurs moments. Genre, je suis là, qu'est-ce que je vais lire? Tu fouilles dans tes bibliothèques, tu regardes dans ta liseuse, etc. J'adore ce moment-là. Et là, je n'ai aucune idée de ce que je vais choisir. Comme c'était un peu dark, j'aime bien alterner comme je vous disais, donc peut-être que je vais lire un truc un peu con, je ne sais pas, un peu con bien j'espère, ou alors un des livres que j'ai acheté la semaine dernière, parce que c'était aussi une de mes résolutions de lire directement les livres que j'achète, sinon ils traînent dans ma bibliothèque pendant un an et demi. Je vous dirai la finalité de ce choix cornélien, pour l'instant je n'en ai pas la moindre idée.